Bonsoir à tous, bienvenue à la rue Sanguesson, à tous les miraculés. Ici présent, you know the system on the track, man. C'est un direct parabolique. Pour ceux qui ont des oreilles et un esprit pour entendre. Si tu comprends pas aussi, tu peux venir décorer le direct. Voilà. Et puis après, allô, tu veux, mais. Que ceux qui ont des oreilles entendent et ceux qui ont un esprit, que ceux qui ont un esprit large puissent percevoir les paroles qui vont sortir ce soir parce que c'est un direct parabolique, instructif, dans lequel je vais m'adresser en particulier aux miraculés qui n'aiment pas me voir dans certaines choses. Voilà. C'est plus pour ceux qui n'aiment pas me voir dans certaines choses. Monsieur, bonjour. Installez-vous confortablement et prenez votre pouce pour les rajouter maudits là et puis partagez ça dans le groupe, ok? Où sont les cœurs? Vous me détestez? C'est que vous me détestez pas bien. Moi, je rigole. On va commencer genre. Une petite instru, vous allez vous en gérer ça. C'est l'instru de mon hors série et ce beat a été fait par mon fils spirituel, mon fils Manu on the beat que vous allez découvrir. Et dans ce son, vous allez découvrir un bébé Philippe qui s'essaie dans un flow un peu hip-hop, un peu rap, comme il y a pas mal de personnes qui m'attendaient dans ce style. Donc, petit Manu on the beat, ton morceau va sortir et on va dire ce qu'il faut dire. Partagez ça rapidement et puis voilà, mettez les cœurs. Je ne vois pas de cœurs, c'est-à-dire qu'il y a plus de haters, comment on dit ça en anglais même, haters, que de miraculés. Alors, Franck Bleu, présent. Larissa Nguessan présente. Qui des miraculés est présent ce soir? C'est bon, vous avez, ça passe bien? Ok. Je vous mets l'instru en tas. Manu on the beat. Manu on the beat, c'est mon petit que vous allez découvrir. Et c'est l'instrumental de mon prochain hors série. C'est moi qui ai joué la guitare. Juste la guitare. C'est la nouvelle génération, voilà. Donc, à tous ceux de la nouvelle génération qui sont là en tas actuellement, il y a mon bon fils qui arrive. Et puis, c'est un joli garçon comme moi. Joli garçon comme son tonton. On the track, man. Are you ready for the beat? Let's go. Yeah.
moi juste de profiter. Laisse-moi kiffer, je veux ça que je veux. J'ai besoin de paix et de joie. Laisse-moi travailler, laisse-moi juste manger. Laisse-moi travailler, laisse-moi juste profiter. Laisse-moi kiffer, laisse-moi faire ce que je veux. J'ai besoin de paix et de joie. Ok, mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous avez passé une belle journée. Nous sommes à quelques heures du couvre-feu et ce soir, j'ai un petit message à faire passer. Donc, j'aimerais que vous preniez vos cahiers et vos stylos. Voilà, pour noter. Effectivement, beaucoup de mes admirateurs ont pu constater que j'ai fait certaines sorties ces temps-ci. Beaucoup de mes admirateurs ne veulent pas me voir dans certaines choses. Et donc, c'est normal qu'on aime quelqu'un, on lui donne des conseils. Vous comprenez? Moi, je suis fier lorsqu'on me dit non, bébé, on ne veut pas te voir dans certaines choses et tout. C'est bien. Mais vous savez, si je réagis souvent, c'est parce que il n'y a personne qui le fait. Voilà, il n'y a personne qui le fait. J'ai toujours dit que l'intox se propage plus vite que les choses qui sont vraies, que la vérité. Je l'ai dit, je ne sais pas si vous avez entendu ou comment est-ce que vous écoutez mes directs, mais l'intox se propage plus vite que la... Voilà, que la vérité. Voilà. Partagez le direct à fond. Et donc, je ne peux pas voir certaines choses et ne pas me prononcer. Parce que si je ne le fais pas, c'est vrai, je ne vais pas changer le monde. Je ne peux pas changer le monde, je ne peux pas changer quiconque. Mais ce n'est pas pour autant que je vais m'asseoir et puis à subir. Parce que il y a beaucoup qui ont un esprit qui est faible. Voilà. Beaucoup peuvent être manipulés. Forcément, s'il y a... Il faut qu'on arrête avec l'intox. Vous comprenez? Maintenant, quand l'intox envahit le monde, qu'est-ce que je dois faire? Sachant que je suis un homme populaire, sachant qu'il y a pas mal de monde, il y a 2-3 personnes qui me regardent quand je fais le direct, si je peux attirer l'attention de certains... 10 ans en venant sonner la lettre pour dire écoutez, avant de se prononcer sur quel que soit le sujet, avant de te prononcer sur un sujet quelconque, faut vérifier, faut tenir compte de la véracité. Vous comprenez un peu? Voilà. 2019, je faisais un concert dont le thème était la discipline. Quand je porte un message sur mon dos comme ça là, je porte ça avec tout ce qu'il faut. Quand tu portes un message, quand tu es appelé à être un leader, quand tu inspires des gens, ben faut être prêt à encaisser les coups. C'est vrai. Vous, je parle de ce que j'appelle les miraculés, mes admirateurs. Vous êtes nombreux à me dire non, BBP, on n'aime pas te voir dans certaines choses. Mais moi, je porte mon message. C'est que je suis prêt à encaisser les coups. Et quand tu n'encaisses pas de coups, tu n'es personne. Vous comprenez? Et moi, je suis celui qui ne va pas... Pourquoi passer à m'insulter ou bien à dire que ce soit, il n'y a pas parlé. Il y a des... Je vois
des gens en train de poser des actes sans vergogne, sans aucune vergogne. Et puis, il me taire, il ne peut pas me taire. Parce que me taire, il n'allait pas faire les sons hors série. Vous comprenez un peu? Voilà, donc rentrons dans le vif du sujet. Quand on est petit jusqu'on grandit, on sait que les morts, là, faut avoir peur d'eux. Vous comprenez, non? Faut avoir peur des morts. En fait, si tu n'as pas peur, au moins, faut respecter la mémoire. Et nous tous, on voit. Nous tous, on sait ça. Et il y a des gens, quand ça enjaille, quand ils voient certaines personnes en train de venir manquer de respect à la mémoire de nos disparus. On voit ça, nous tous, on voit ça. On a des chroniqueurs, on a des influenceurs, on a des pages de relais médias, parce qu'aujourd'hui, via Internet, tout le monde est autodidacte. Vous comprenez? Quand personne se prononce, il faut qu'il y ait un qui soit là pour rappeler que avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre là, toi-même faut vérifier, faut enlever la poutre qui est dans ton œil. Voilà. En gros, tu peux pas venir demander. En gros, tu peux pas venir demander des comptes alors que toi-même tu as gbangban sur ton dos. Je vous ai dit que c'est un direct parabolique. J'ai toujours parlé avec la manière. Vous comprenez? J'ai toujours parlé avec la manière. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. J'ai toujours parlé avec la manière. Jamais vous allez voir bébé Philippe en train de parler, d'insulter. Est-ce qu'il a été éduqué quoi? Non. Donc quand on porte un message, mesdames et messieurs, le message il est valable pour vous aussi. Quand vous inspirez des gens, parce que moi je suis, ce que je fais c'est pour inspirer quelqu'un. Vous voyez un peu. Aujourd'hui c'est vous qui êtes en train de commenter. Mais quand je produis, quand je fais ma musique, c'est pour vous inspirer pour que demain les gens soient en train de commenter aussi vos trucs. Vous voyez un peu. Et c'est dans cette optique là qu'il réagit. Je ne suis pas de ceux qui sont là qui se taisent. Alors que on remarque qu'il y a des choses qu'on se tait. Vous comprenez? Retenez ça. J'espère que vous avez vos bics et vos feuilles. Voilà. Désormais qu'il fait le direct, notez un peu. Retenez que le monde n'est pas mauvais à cause des gens mauvais. C'est pas à cause des gens mauvais que le monde est mauvais. C'est pas seulement ça. Le monde est aussi mauvais à cause des bonnes personnes qui se refusent à venir démentir certaines choses, aller contre l'intox. Les bonnes personnes qui savent des choses et se taisent lorsqu'il y a, on propage des fausses informations, des idées reçues. Nous sommes dans un monde où il y a plein d'idées reçues. Tout le monde est devenu docteur, vous n'avez pas remarqué. Tout le monde est devenu chroniqueur, tout le monde est devenu... Parce que tu vois une publication sur Facebook, donc tu charges, tu partages ça en même temps. Voilà, c'est vrai. Il y a ça, quelqu'un était petit quand on partait à l'école, il y avait une matière qu'on appelle ECM, éducation civique et morale. Voilà, donc bébé Philippe là, c'est vrai, vous ne voulez pas me voir dans certaines choses. Mais si moi je ne parle pas, qui va parler? Il y a des trucs que je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Maintenant, la majorité, forcément, il y a des gens, ils sont gamés. Tu ne peux pas venir changer le monde. Voilà, même dans la... Il y a les affaires de Dieu. Il y a les affaires de Dieu, même ça sort dans la bouche de n'importe qui maintenant. Il faut qu'on le respecte. Donc, quand on dit, quand on parle comme ça, là, hein, c'est pour ceux qui peuvent comprendre. Si vous, s'il y a beaucoup qui ne comprennent pas, laissez-les. Mais au moins, on parle. Vous comprenez, non? Et puis, quand il y a parlé, là, jamais vous allez entendre des mots qu'on doit censurer. OK? Est-ce qu'on peut aller? Si on peut continuer, me tourne de trac en commentaire. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Il ne s'agit pas de faire des clashs ou quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de se faire passer pour la bonne personne. Moi, c'est la voie qu'il a choisie. Oui, il essaie de marcher. Forcément, il fait des erreurs. Donc,
Quand on est leader, on encaisse des coups. On ne fait pas ça pour du buzz. On ne fait pas ça pour concours de vues. C'est un truc, c'est un monde. Vous savez, il y a deux mondes. Ce que les gens ne comprennent pas. Je vous dis ça toujours. Il y a un monde virtuel et il y a un monde réel. Le monde virtuel, c'est ici. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens ils disent, tu as deux personnes qui te regardent. Ce n'est pas ça le vrai point. C'est qui tu inspires. C'est ce que tu fais, c'est les actes que tu poses. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous captez le système? Donc, en tant que porteur du message de discipline cette année, je ne peux pas rester regarder les choses. Et puis, si quelqu'un parle, il n'y a pas de problème. Mais au grand jamais, devant moi, on va utiliser la mort des gens pour régler des problèmes. Et puis, Baby Philippe va pas parler. Vous comprenez, non? Et puis, Mr. BBP va pas parler. C'est vrai, vous voulez pas me voir dans certaines choses. Mais souvent, retenez encore cette phrase. Souvent, dans certains cas, le silence est une forme de lâcheté. S'il y a 1000 personnes qui voient la perdition, que vous pourrez prendre 2000 dedans en intervenant, faut le faire. Maintenant, on peut pas obliger les autres aussi à le faire. On ne peut pas obliger aussi les autres à le faire. Voilà. Donc, devant moi, ça n'a jamais s'est passé. Voilà. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Alors, c'est un monde de trac, on peut aller? Il a fait combien de temps, s'il vous plaît, monsieur? Hein? 25? Bon les gars, je pense que j'ai assez parlé. Donc vous avez compris, c'est pas le nombre de vues de plus important. C'est on est dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Chacun est comme il est. Chacun a sa gamme. Il y a les gamins, il y a les sérieux, il y a les noussis, il y a tout le monde. Je peux pas obliger. Je ne peux pas forcer quelqu'un à changer de comportement ou quoi que ce soit. Ça fait 17 minutes. Vous comprenez? On fait 3 minutes et puis on boucle. Voilà. Mais tant que je peux parler pour édifier quelqu'un, je vais parler. Après, vous remettez le direct au début, vous ressassez ça bien. Et puis vous allez comprendre qu'on ne peut pas voir les choses et puis s'éteindre. Ça t'éteint pourquoi? On est aux États-Unis. Les gens, ils ont ramené les armes dans le coupé décalé. Les pistolets dans la boîte de nuit, ils ont ramené pistolets. On est dans quel pays? Et puis ça a resté là. Les VP l'avant dit, non, c'est les artistes, ils vont s'entendre entre eux. Coupé décalé, c'est notre Dabali. Armes en Côte d'Ivoire, on n'a pas jamais connu. Régler, prendre la mort des gens pour régler leurs problèmes, on n'a jamais connu. Après, chacun peut faire son fil. Est-ce que quelqu'un a déjà fait buzz que le vieux père Alpha? Le père Alpha. Quelqu'un a fait buzz que lui? Est-ce que les gens vont faire buzz que papa Alpha Blondy? En ce moment, il n'y a pas Internet. Mais les propos, c'est très dangereux parce que moi, comme ça, j'ai un enfant. Aujourd'hui, Internet, là, les enfants de maintenant, ils sont nés à l'ère Internet. C'est quoi? Ils vont regarder Internet, les gens en train de s'insulter. Après, ils vont se donner rendez-vous quelque part pour aller se tuer. Vous comprenez? Donc, ceux qui aiment Baby Philippe, qui ne veulent pas me voir dans certaines choses, quand ils parlent, quand ils réagissent, regardez bien, depuis toujours, quand ils réagissent, c'est tac. Et puis, depuis ma carrière a commencé là, c'est pas vous ne faites pas attention, mais on m'insulte seulement. Depuis 2000, on m'insulte seulement. Vous comprenez? Donc, quand il y a des gens qui te regardent, forcément, quand tu as un flambeau, tu tiens un flambeau dans un domaine bien précis, forcément, il faut être prêt à encaisser les coups. Vous-même, vous êtes étudiant aujourd'hui, vous êtes élève aujourd'hui. Quand vous allez travailler dans votre bureau, il y a les gens qui ont fait les onkou. Si tu dois être directeur, forcément, tu as encaissé des coups. Vous comprenez? C'est vrai, ça fait. C'est vrai, moi, aujourd'hui,
Normalement, c'est moi que ça devrait plus toucher. Mon chéri, non, ben Félix, tu es un homme de valeur. Quand on fait ça, nous, tes gars à côté, ça nous débat. Mais il faut que quelqu'un soit là pour dire. Quand quelqu'un propage une intox, il faut qu'il y ait un gars pour venir rappeler à l'autre. Et puis surtout qu'on porte un message de discipline. Bon, thème de mon conseil, là, voici ça aujourd'hui, c'est d'actualité. Vous comprenez, il n'y a pas trop parlé. Mesdames et messieurs. On prône l'amour. Voilà. On prône l'amour. Et je n'incite pas. Je ne vais pas inciter qui que ce soit à la haine. Pour montrer que je suis sérieux, il n'y a même pas fait de promo dans ce direct d'un nouveau morceau ou quoi que ce soit. C'est juste une instru que je vous ai fait écouter, mais voilà. Je ne vais pas jouer mon morceau d'actualité. Non. Pour montrer combien de fois, il faut savoir faire les choses. Vous comprenez? Voilà. C'est tranquille dans le respect de tout le monde. Les gars, je vais vous laisser. Merci d'avoir donné de votre temps. Et que les rageux meurent de leur propre poison. J'ai dit toujours un petit truc pour gâter, mais c'est comme ça, c'est la piquerine. On the track, man. C'est la tracature. Ici le miracle BBP. Je vous incite à reprendre le direct depuis le début et puis à écouter. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Celui qui ne comprend pas aussi, on ne va pas venir vous forcer. La vie, c'est un choix. Nos choix définissent la trajectoire de notre vie et puis voilà notre destin de track, mais il y en a de système. Mesdames et messieurs, je vous embrasse. Bouyaka.